Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission, parle Seigneur car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous a été présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kwaku Apetogbo Samuel. Parle Seigneur car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Et qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous communiquer encore? Nous sommes sur un grand thème, la véritable bénédiction. Et aujourd'hui, nous parlerons de la bénédiction des mamelles et du sein maternel. La bénédiction des mamelles et du sein maternel. Parle, Seigneur. Car ton serviteur est à l'écoute. La bénédiction ne se trouve pas dans la maison du roi. La bénédiction ne se trouve pas dans la maison du riche. La bénédiction ne se trouve pas dans la maison du pauvre. Mais la bénédiction se trouve dans la maison de celui qui craint Dieu. Et qui met sa parole en pratique. Honore ton père et ta mère. C'est une loi accompagnée d'une promesse pour que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux. Bien-aimés auditeurs et auditrices, la bénédiction n'est pas équivalente de la richesse. La bénédiction n'est pas équivalente de l'argent. La bénédiction est une grâce qu'on reçoit de la part de Dieu. Il bénit sans le faire accompagner d'aucun chagrin. Heureux l'homme qui reçoit la bénédiction d'en haut. Heureux l'homme qui est béni par Dieu, car ça deviendra un héritage pour sa génération. La bénédiction des mamelles et du sein maternel. David a dit quelque chose de très important dans le psaume 51. Il a dit « Depuis le ventre de ma mère ». C'est cette phrase-là qui nous est importante. « Depuis le ventre de ma mère ». Est-ce que vous savez que avant d'être né, vous étiez dans une maison. Avant de connaître la vie d'ici-bas, vous étiez chez quelqu'un. Avant de devenir l'homme ou bien la femme que vous êtes aujourd'hui, vous étiez un grumeau de sang dans la maison de quelqu'un. Cette personne, c'est votre maman. Elle vous a porté dans sa maison. Cette maison n'est que son sein, ce que nous appelons le sein maternel. Cette maison, c'est son ventre. Quel que soit ce que nous sommes aujourd'hui, nous étions dans le ventre de quelqu'un. Nous avons passé 9 mois dans le ventre d'une femme, et cette femme se nomme maman. La bénédiction des mamelles ou du sein maternel est toujours donnée par la mère. C'est ta maman qui possède cette bénédiction. Malheur à moi si je ne suis pas béni par ma mère. Malheur à moi si je ne suis pas béni par ma mère. As-tu reçu la bénédiction des mamelles et du sein maternel? Ton papa n'a pas de mamelles, c'est seulement ta maman. Tu as tiré ton ombilical, ton cordon ombilical de ta maman.
Tu as été connecté pendant 9 mois avec ton nombril. Tu n'as jamais cessé d'être collé à ta maman depuis le ventre. Tu as passé 9 mois à avoir sa chaleur, ses émotions. Si elle tombait, elle tombait avec toi, mais tout en te protégeant. La bénédiction d'une mère est très importante. Voici ce que Jacob disait à Joseph. Genèse chapitre 49, verset 25. Il y a une partie dans ce verset qui dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. C'est notre maman qui a mis le sang sur notre tête, comme un adage éveillé le dit. Et il y a une alliance de sang qui lie un enfant avec sa maman. C'est pourquoi malheur à toi si ta maman te maudit, tu finiras mal ta vie. Fais tout pour éviter la malédiction d'une mère, car c'est elle qui t'a porté dans son ventre. La bénédiction des mamelles est toujours donnée par ta maman. Et si tu rates cette bénédiction, il faut trouver un oncle maternel. L'oncle maternel, dans notre vernaculaire éveillé, on l'appelle Niné. D'autres l'appellent Ényéré. Tu as besoin de cette bénédiction. Va chez ta maman, mets-toi à genoux devant elle pour qu'elle puisse t'imposer les mains et te bénir. Ne fais pas des choses qui énerveront ta maman à te maudire, car elle se tiendra dans l'alliance de sang qu'elle a versée ce jour-là de ton accouchement pour te maudire. C'est pourquoi n'offense jamais ta maman. Tu peux offenser tout le monde, mais gare à toi si tu offenses ta maman. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Si tu as péché contre ta maman, va vers elle pour lui demander pardon. On ne se bat pas avec sa maman. Il y a certains enfants, et surtout les filles, lorsqu'elles rentrent dans leur vie de puberté, elles se battent avec leur maman jusqu'à faire tomber le panne de sa maman. Attention, même si la maman ne vous dit rien, vous êtes maudit. Retour vers la source maternelle pour demander pardon à maman. Maman chérie, pardon. Est-ce que ta maman t'a béni avant de mourir? Si ce n'est pas le cas, va chez l'oncle maternel pour qu'il te bénisse à la place de ta maman. Car il y a un lien de sang entre toi et ta maman. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. J'invite tous les enfants, toute personne qui a offensé sa maman, d'aller lui demander pardon, lui présenter des offrandes ou bien des présents pour se faire pardonner et après demander la bénédiction des mamelles et du sein maternel.
Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur Sanvikoku Apetobo Samuel. Il n'est pas encore trop tard, car le meilleur reste à venir. Paix et joie à votre cœur. À la prochaine. Bye bye.